Et bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Luigi's Mansion, donc pour l'épisode 4. Qu'est-ce qui s'était passé lors du dernier épisode? Nous avions récupéré le chapeau de Mario dans la machine à laver. Et nous avons la carte. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Ouais, donc là, on avait quand même pas mal fait la chasse au bout. On avait rencontré aussi le majordome ainsi que Mélodie dans la pièce. On a eu la magnifique musique de Mario et Monsieur Bouffetou qui a pas été content qu'on aspire son repas. Ah oui, aussi nous avions reçu la nouvelle médaille de l'eau et on s'était arrêté là. Donc on va aller voir de suite dans la pièce. Je crois que oui, je crois que c'est par là. On va regarder vite fait sur la carte. Oui, c'est par là. On va les laisser tranquilles, hein. Quoique au niveau de la vie, ouais, on va faire un petit peu de chasse. La chasse au cœur. Voilà. Non? Bon, bah tant pis. Lui, il a pas voulu être ébloui. Non? Personne veut revenir? Voilà, allez. Voilà. Bon, bah tant pis, allez hop, on va pas perdre plus de temps que ça. Tac. Ah mais non, mais qu'est-ce que je fais par là? Moi, c'est pas du tout par ici qu'il faut aller. Ouais, c'était dehors. Donc, petit fail en début de vidéo, c'est pas bien grave, on va perdre un peu de temps. Voilà, on va retourner donc dans la salle à manger, où on avait eu donc aussi. Un fromage et un fantôme bleu qui nous avait rapporté de l'argent. Voilà, donc c'était ici. Donc, on va aspirer les esprits de l'eau. Voilà. Et maintenant, donc oui, on avait déjà éteint. Oh, on est en extérieur et il y a la gamelle du chien. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir. Ça nous permet aussi d'arroser les plantes. Voilà, donc en plus d'apprendre à. Non, c'était pas ça que je voulais. En plus d'apprendre à faire à passer l'aspirateur, ça nous apprend aussi à faire du jardinage. Et lui, pourquoi il voulait rien sur son cœur? Ah voilà, waf waf. Oui, en même temps, c'est un chien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Y a rien? Allez, viens. Alors lui, comme vous pouvez le voir, on peut pas l'aspirer tout de suite. Alors, si j'arrose, non, il veut pas. Ah, un monsieur Nanos pour l'amour. Ah, j'ai pas eu le temps de tout lire. Ah, zut, il a disparu. Non, oh, laisse-moi le chien. Allez, c'est parti pour Monsieur Nanos. Et voilà. Donc là, il va récupérer son Nanos. Et pendant ce temps-là. Ah zut! Bon, bah, c'est un petit fail. Je croyais que j'étais trop loin. Allez, va chercher ton Nanos. Il a ton Nanos. Voilà. Et on voit son cœur. Et maintenant, c'est parti, on peut l'aspirer. Allez, allez, on y est presque. Non, je veux pas le petit champignon. Bon, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Et voilà, bon. Malheureusement, j'ai eu le petit fer. Ah si, j'ai quand même eu la grosse pierre. Hein. C'est plutôt bien.
Alors, ça brille par ici. Donc, à mon avis, ça doit faire comme le trou de souris. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Oula, c'est déjà beaucoup moins chaleureux. Ah, un petit cœur, je dis pas non. Donc là, à mon avis, s'il nous donne de quoi avoir le lance-flamme, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Ok, encore des messieurs nanos. Waouh, 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 waouh. Bah alors, pourquoi ils disparaissent de suite? Je dois être trop loin. Voilà. Bon, j'en ai eu un. Ah, vous allez m'avoir. Ah, c'est bon, vous m'avez pas touché avec vos nanos. Allez, venez là. Ah zut, je croyais avoir eu les deux. Aïe! Non mais ça va pas lancer des os sur les gens. Allez, on y va, c'est parti. On a perdu assez de temps comme ça pour cette vidéo. Bon, en voilà un. Et on va se faire le dernier tout de suite. Viens là. Ah ouais, avec un petit cœur, je dis pas non non plus. Voilà. Ouh, une pierre tombale qui s'illumine comme ça, ça se perd pas confiance. Non, mon cœur. Non, bon bah tant pis, pas de cœur. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, bah, encore un cœur plus gros. Généralement, quand ça se passe comme ça... Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, zut, je me trompe avec les touches. Généralement, quand c'est comme ça, c'est qu'il doit avoir un souci au niveau des ennemis. Là, je pense que soit on va avoir une embuscade, ou alors un boss. Donc on y va. Oula, bon, un méchant assez particulier, surtout bah, le boss, c'est comme vous pouvez le voir, donc on n'a pas la lampe torche, donc comment ça se passe, voilà, ok, donc on doit aspirer les noirs, non, c'était pas les noirs qu'il faut aspirer, on va essayer d'aspirer le rose, il est où le rose, il est là, mais il veut pas venir. Ah d'accord, ok. Faut aspirer les noirs et les jeter sur le rose pour pouvoir... Voilà, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oups. On va prendre le gros, il a l'air plus... Ça a l'air d'être plus simple pour l'avoir, avec sa grosse roule. Bon, bah j'ai eu un petit. Allez, on y va. Il était où? Il était par là. Il est là. Ah zut, on peut pas les garder indéfiniment. Bon, je suis en train de prendre cher quand même. Allez. Allez, allez, allez. Ah bah décidément, celui-là il veut pas. Hein. En même temps, c'est un boss. C'est normal que ce soit pas si facile que ça. Alors il est où? Il est là. Oh, raté. Bien joué. Décidément. Ah, le voilà. Bon alors. Oh, j'étais à côté. Allez, viens, on y va. C'est quand même sacrément difficile celui-ci. Hein. Allez, venez petit là, hop, toi.
Oh, raté. Allez, c'est reparti, on continue. Voilà, donc là, il est où? Ah, il a disparu juste avant, mais c'est pas vrai. On va pas passer 20 ans dessus, hein. Faudrait peut-être s'activer. Ok, il a disparu, donc là... Ok, je me suis dit, je vais le recracher pour reprendre un autre, parce qu'il allait disparaître, et voilà. Il réapparaît juste au dernier moment. Ouais, je l'ai eu. Allez, on l'aspire. Oh non, il y avait les autres fantômes. Et en plus, je perds plein d'argent. Là. Ça va pas, ça. Allez. Je crois qu'il lui restait une vingtaine de points de vie. Ah, 13. Allez, hop. Et voilà. On a bien galéré sur celui-ci, hein, quand même. C'était pas rien. Oh, un joli coffre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une clé verte. Luigi. Luigi, tu me reçois? Content de te revoir entier. J'ai perdu ton signal quand la foudre a frappé. Tu as mené un bien rude combat. Reviens donc au labo. Tu dois être fatigué. La foudre aurait endommagé mon Ectoblast 3000. Ne t'inquiète pas pour ça. Même si la foudre avait détruit ta maison, ce bon vieil Ectoblast 3000 n'aurait pas une égratignure. Bon, on va voir ce qu'il veut. Ok, donc là on va vider l'aspirateur pour avoir donc les fantômes, les remettre en portrait. Beau travail Luigi. Tu es toujours entier, ça fait plaisir. Cet aspirateur m'a l'air plein de fantômes. Vidons-le dans mon portrificateur ectoplasmique. Machine à laver qui en mode essorage qui rebondit dans tous les sens. Les fantômes sont invisibles, nous devons donc les presser pour les rendre visibles. Bon, ben ça après c'est la même chose que là à la fin de l'acte 1 et les transformer en magnifiques portraits ectoplasmiques. Ah oui, j'avais oublié le couple de danseurs aussi. Salut majordome, la musicienne Mélodie. Et monsieur Bouffetou. Ah, puis on a oublié le chien aussi. Merci Luigi, grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en jolis tableaux. Merci. Et voilà. Vous avez pris zone 2. Donc on a eu, ouais. Donc monsieur Miam, les Bellini volants, Mélodie Pianissimo, Nestor le majordome, Spooky. D'accord. Et Monsieur Marais. Ouais, bah, c'est vraiment un monstre des marais. Et nous avons au total 9 fantômes. Et on va faire donc les totaux pour voir où on en est avec notre argent. Ah oui, c'est vrai que on avait vu la pièce secrète aussi, si ça nous avait rapporté beaucoup d'argent. Et nous sommes à un total de 24 580 000 donc argent. Ok. Oui, bah on va faire une petite sauvegarde. Nous sommes à combien de temps? Oui, c'est bon, on a encore largement le temps. Où vas-tu, Luigi? Eh ben, on va retourner au manoir. Alors, voyons où... Ok, donc la clé, c'est la porte qui est tout au fond. Et ben, on va y aller tout de suite, de ce pas. Alors, qu'avons-nous? Donc déjà, on peut remarquer que les couloirs, maintenant, ils sont éclairés. Donc, il n'y aura plus de vilains fantômes qui viendront nous envoyer des bombes ou des chauves-souris ou des souris. Ah oui, ok, d'accord, c'était celle-là. Ça va faire comme la porte d'entrée. Le piège s'enlève. Et bah oui, donc là on est juste à côté de la pièce où il y avait Mélodie. Ouais, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais couper les scènes maintenant, on les a assez vues. Et
Nous voilà de retour en extérieur. Alors ça, est-ce qu'on peut choper? Non. Hop, qu'est-ce qu'il donne? Rien du tout. Alors, on va essayer de sonder. Non, il n'y a rien. Un petit cœur, j'en ai pas besoin pour le moment. Alors, donc les plantes. Ah ok, d'accord. Là, j'ai rien. Il faut que je récupère. Voilà. Là, est-ce que celui-là me donne quelque chose? Oui, bon, il donne un lingot. Hop. Alors, toi, viens là, toi, parce que tu m'embêtes. Voilà. Alors, l'autre, voilà, on arrose les plantes, ça nous donne des pièces. Oh, et des billets. Eh ben, ça continue. Moi, je vais arroser toutes les plantes de chez moi. Hein. Alors, on va récupérer un peu l'esprit de l'eau. Voilà. Ah, il y a encore là des pots de fleurs. Ah, et puis, il faut retourner aussi. Oh, un rubis. On ira voir Todd, qu'on avait au premier étage. Il y avait des pots de fleurs à côté de lui. Non? Bon, allez. On va continuer à m'embêter, lui. Non, et lui, il avait rien. Hop, là. Allez, viens. Alors, vas-y, ouais, un petit cœur. Ça fait pas de mal. Non, on entend des cris. Non, pas de bombe. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez trouvé la lettre de Mario. Je me demande ce qu'elle dit. Non, pour l'instant, c'est Taïo. Oh, bon, il a encore disparu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, plein de pièces. Allez, on va ramasser tout ça. Bon, l'argent, je prends. Voilà, il y avait des pièces par là. Oui, voilà. Alors, ça. Oh, bah j'ai bien fait d'aspirer. Au début, je pensais que c'était une fausse pièce, mais non, j'ai bien fait d'aspirer, sinon ça m'aurait fait mal. Un petit Todd, qu'est-ce que t'as à nous dire? Il y a quelque chose de terrible dans ce puits. Oui, j'ai bien entendu qu'il y avait quelque chose de terrible. On va aller voir de suite ce qu'il y a dedans. On entend des cris. Allez. Rien de rassurant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sortez-moi de là! Un pauvre Luigi, il sait pas quoi faire. Il y en a quoi? Je viens pas m'embêter. Ah, mais en plus, on a récupéré une clé. Alors, une clé qui ouvre quelle pièce? D'accord, donc celle qui est au bout du jardin. Donc, on va aller voir de suite. Où est-ce que ça nous mène? Bon, ça va, les. C'est pas très compliqué hein, quand on trouve des clés. Ils nous disent relativement vite. Bah, à chaque fois qu'on trouve une clé, ça nous indique la porte à ouvrir. Faut pas n'oublier non plus que c'est un jeu qui est destiné quand même pour les tout petits. Alors, bon, on va les laisser tranquilles pour le moment. Le petit Todd. Ah, le petit Todd est. Je me demande si je devrais pas tous les aspirer. Alors, il est où? Il est ici, monsieur Bombe? Voilà. Voilà, Denaker. Il m'embête encore. Raté. On va attendre qu'il réapparaisse une fois. Je sais pas s'il faut tous les aspirer pour qu'après, dehors, ce soit moins allumé. On va quoi? Moins sombre. On va dire allumé. C'est mieux. Non? Bon bah tant pis. Désolé Todd, moi je m'en vais. Alors. Ah ok, d'accord. Donc là on a Monsieur Musclor. Non, décidément, je me trompe toujours de touche. Alors, sur ton cœur, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, regarde un peu ce physique. Je suis trop fort. Je veux me servir d'un punching ball TTR. Ok, bon. Punching ball, ça veut tout dire. Ah, voilà.
Je vais juste donner un coup et là il va lui montrer son cœur, je pense. Non? T'en veux un coup? Voilà. Non? Ok, il en veut. Non! Je suis trompé de touche. Non, tu m'auras pas. Tiens, prends celui-là. Voilà. Et là, il monte son cœur. Et c'est parti, on y va. Alors, est-ce qu'on va essayer? On va réussir à l'avoir en une fois. S'il se bloque pas avec les haltères, ça devrait le faire. Oh, le tic. Voilà. Et là, j'étais bloqué avec les haltères. Et en plus, il y avait le cœur à côté. Bon, on va récupérer toutes les perles tout de suite. Voilà. Et reprends-toi ton punching ball. Allez. Voilà, cette fois, c'est bon. Je pense qu'on l'aura en deux fois. Voilà. Et la lumière est apparue. Ah zut, j'ai pas pensé à regarder s'il y avait des fantômes bleus avant. Donc déjà, il y a un cher bout par ici. On va déjà prendre ce qu'il y a dans le coffre. Plein de billets. Voilà, moi je prends. Ça aussi, je prends. De l'argent, de l'argent. En veux-tu? En voilà. Voilà. Alors là, le bip rouge, il est par ici. Oui, alors, c'est moi, Jack Beauregard. Allez, viens là. T'en vas pas, t'en vas pas. Non. Non. Oh, il est parti. Il est parti où? Il est parti dans la pièce de Mélodie. On va y aller. Ah, c'est fermé. D'accord, bon, tant pis. On va faire un petit tour, puis on fera le tour. Bah, pourquoi il me redit qu'il y a encore un fantôme ici? Voilà, en fait, c'est juste parce qu'il y avait la bombe. Alors, petit lustre. Est-ce que t'as quelque chose à donner? Non. Là-dedans, est-ce que t'as quelque chose? Oui. Allez, on prend tout ça, on fait vite fait le ménage. Alors, ah, un tapis roulant. Hey Luigi, fais un peu de sport. Voilà, si t'arrives à monter d'abord. Voilà. Et une clé. Et bon, on prend. Et ah bah ça tombe bien, c'est la porte que je voulais ouvrir tout de suite, tout à l'heure. Voilà. Oh, un lingot dans le lustre. Ils ont une drôle de façon de cacher leur argent dans ce manoir. Voilà, là on peut passer, on va retourner dans la salle où il y avait Mélodie pour récupérer le bout de Jack Beauregard. Avec leur nom assez, assez ridicule. Alors... non. Tiens, si j'arrose la plante ici, ça fait quelque chose ou pas hein? Non. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est morte. Il était là dedans. Et voilà. Et un bout de plus. Alors, bien joué. Tu as trouvé des fantômes plus petits que les bouts, non? Je suis presque certain qu'ils proviennent des toiles de Van Gogh, l'artiste fantôme. J'ai eu tout un tas de problèmes la première fois que je les ai capturés. Je sais que les artistes veulent donner vie à leurs toiles, mais ce type a créé des fantômes. Chaque fois qu'il prend un pinceau, envoie-moi le bout. Ok, d'accord. Donc apparemment, ça serait un fantôme qui a créé tous les autres fantômes. Je sauvegarde ou pas? Ouais, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Non, ici, il n'y a plus rien. Et on y va. Alors, au niveau des pièces, bah, du coup, on a accès à un autre étage. Par ici, oui. Et les escaliers. Alors, la lampe torche est sortie. Donc là, voilà, on avait vu au sol, il y avait un... Ah bah j'ai récupéré des billets. Oh, il y a le feu. Voilà. Et si ça nous emmène où? D'accord, donc on a une pièce et après on a le couloir. On va d'abord voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Voilà. Alors... Je sais pas ce que j'ai éclairé pour qu'elle sorte, elle. Mais voilà quoi, j'ai reconnu
Ah ouais, et encore j'ai reconnu le bruit de la souris et donc du coup je me suis dépêché de l'aspirer. Non, il n'y a plus de pièces. Ah non, mais lâche-moi. Alors, on y va. Allez. Ah, zut, j'ai aspiré la poêle en même temps. Donc, il n'y a rien. Non. Ah, zut, je l'avais même pas vu. J'étais plus concentré sur les poils là qui me volent sur la tête. Allez, venez là, vous là. Je vous aspire comme ça, vous m'embêtez plus. Voilà, pourquoi je veux pas se faire éblouir. Mais là, il y a un souci quelque part, j'arrive pas à l'éblouir. Ah bah voilà. Du coup, là, sans faire exprès, j'ai réussi à l'éblouir. Et voilà, nous sommes passés. Alors, sur la chaise, non, sur la table. Oh, c'était pas lui. Il a quand même sacrément du mal à éblouir les boules là, sur cette partie-là. Et il a changé de place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par où? Par là? Et le voilà. Alors, bourré. Allez, viens là. Ah, chasse. Oh, zut, il est parti. J'étais bloqué avec la nappe. Du coup, il est parti dans quelle pièce? Dans une pièce, si on y a accès. On va voir déjà ce qu'il y a ici. Alors. Là, c'est quoi ça? Non, il n'y a rien. Oh, d'accord. Donc ça, c'est pour changer la gravité. Et on va essayer de prendre donc, ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a? Un jeton. Le jeton de glace. Alors. Qu'as-tu trouvé? Laisse-moi jeter un œil. Ah, c'est une médaille de la glace. Tu peux maintenant utiliser la glace. Les fantômes de glace se trouvent dans les endroits gelés. Tu les trouveras dans les frigos et autres endroits froids. Ils sortent de leur cachette quand quelqu'un approche. Utilise L pour recracher la glace quand tu aspires l'un de ces esprits. D'accord. Si tu appuies à fond sur le bouton L, tu peux tirer un bloc de glace. Oui, chef, quand l'eau devient très froide, elle gèle. La glace peut être très efficace contre les fantômes d'eau, et c'est, tu le verras. Ok, d'accord. Et un bain chaud. Ok. Donc, maintenant, on a la glace. D'accord, allez. C'est parti. Maintenant, on va poursuivre. On va juste récupérer un peu de glace. Voilà. Et on s'en va. Alors, était où la porte? Elle est là. On y va. Alors, là, du coup. Oups. Et là, vous. Non. Voilà. Alors, qui c'est qu'on a ici? Ici, il y avait un bout. Ah! Il y a une grand-mère qui tricote. Grand-mère fantôme, qu'est-ce que t'as à nous dire? Hé, hey, il est marrant, je devrais jouer avec lui. D'accord, il veut. Tiens, hop! Hé! Hey. Ok, mamie fait le tour de la pièce avec son fauteuil. Voilà, pourquoi t'as pas voulu l'acheter?
quand même assez, assez dur là. Voilà. Encore. Allez. Wow! Ça y est, ma mère me balance ses aiguilles à tous les côtés. Allez, ramasse la boule et. Hop, il y en avait une autre par là de boule, elle est là-bas. D'accord, je vais aspirer et c'est moi qui me la prends. Voilà. Ah zut. Ouais, c'est du coup quand là au bout de l'aspirateur, faut faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui la percute. Et... Allez, on y va. Alors j'espère ne pas me faire bloquer dans un endroit. Non, pas champignon. Oh zut, raté, mais bon, j'ai quand même un petit tir pour récupérer un peu de vie. J'ai des perles. Et viens la grand-mère. Et voilà. Bon, ça nous fait un fantôme de plus dans l'aspirateur. On va juste récupérer les perles, voilà, que ça disparaisse. Et on va récupérer donc une nouvelle clé. Alors, où est-ce que ça va ouvrir D'accord, donc ça c'était à côté de la chambre du bébé. Alors, donc là, normalement, il devrait avoir debout. Donc lui, c'est qui? C'est bourré. Donc celui-là, c'est celui qu'on avait raté dans la pièce précédente. Voilà. Et normalement, il devrait en avoir un autre. Voilà. Alors, il est où l'autre? Ouais, c'était lui. Alors, Bolchevik. Il est parti, il est dans le couloir. Si on se dépêche, on peut l'avoir dans le couloir. Et il est reparti ici. Ok. Voilà. Parce qu'on part en haut, il n'y a plus rien, donc tu peux pas t'enfuir. Allez, il est reparti dans le couloir. On y va. Donc ça, par contre, les chasses à boue, ça peut être assez long. Ils ont tendance à partir. Oula, déjà, on voit dans la salle de bain, il y a quelqu'un qui prend son bain. Mais non. Alors, t'es parti où, là, cette fois? D'accord, donc juste en bas. On reviendra ici après. Voilà, le voilà. Ah non, oh, décidément, celui-ci... Il veut pas se laisser aspirer. Allez, viens là. Elle nous fait voyager, hein, ce bout. Décidément, il veut pas qu'on l'aspire. Allez, viens là. Voilà, c'est fini. Alors, bien joué Luigi mon gars. Alors, ouais, donc ça. Ils nous disent d'envoyer quoi, de s'occuper des plantes. Allez, donc on va aller voir qui c'est qui prenait son bain dans la salle de bain. Ah, zut. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Alors, une bonne douche chaude. D'accord. Donc, comme on l'avait vu tout à l'heure, on peut aussi... Voilà. Tout refroidir. Et donc, du coup, là, son bain bien chaud, et ben, on en fait un bain congelé à la froid, et elle montre son cœur. Non, pas le champignon. Ah, voilà, bon. Voilà, je vous disais, Alvin. On a un mini Luigi. Et voilà, avec le magnifique bruit. Est-ce qu'il faut que je fasse... Voilà. Il fallait que je refasse tout.
le bruit traditionnel de tout Mario quand il prend un champignon pour grandir. Et voilà. Et ça nous fait donc un tableau en plus. Alors, on va récupérer les perles. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle clé qui va ouvrir quelle porte? Donc, d'accord, la porte qui est juste à côté. Donc là, au niveau du temps, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va juste aller dans le hall principal du manoir pour faire une petite sauvegarde et puis pour s'arrêter là. Et on verra donc les prochaines pièces dans le prochain épisode. Voilà, ouais, donc ça on sait. On va sauvegarder. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas le petit j'aime, le petit commentaire et puis le partager aussi hein, si, pour faire connaître donc ce petit jeu bien sympathique hein, avec Luigi quand il court, il a le nez qui bouge dans tous les sens. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine donc pour l'épisode 5 et puis d'ici là portez-vous bien. Allez ciao ciao. Mario.